Bonjour, je m'appelle Germain Drouin et je vous souhaite la bienvenue à une autre émission de la série 50 ans et après. Alors, nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans, dans le beau décor de, du Moulin Michel. Je les remercie d'ailleurs de nous prêter encore une fois le, leurs locaux. Euh, ça nous accommode et ça, ça, nous, ça nous rend vraiment service. Donc, euh, avant de, de commencer, une chose que j'étais pour oublié de vous dire, c'est qu'on a une nouvelle adresse courriel à laquelle vous pouvez dans la, que vous pouvez utiliser pour nous écrire et nous envoyer vos commentaires et vos suggestions. Alors euh, l'adresse va probablement apparaître au bas de l'écran, mais je vous la dit quand même, c'est 50 ans en un mot @gmail.com. Donc 50 ans télécom Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un citoyen de Fortier ville Il a été maire de sa municipalité. Il a aussi été agriculteur, il a, eu, il a occupé un, le métier de mécanicien, opérateur d'équipements lourds, soudeur. Et euh, en avril 2019, euh, mon invité se voyait accorder le titre de tête d'affiche du journal Le Nouvelliste à Trois-Rivières. Euh, C'est un homme de qui on disait à cette époque-là, et peut-être qu'on disait encore de lui, qu'il aimait voir le monde et le recevoir. Donc, voir le monde et le recevoir. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Normand Gagnon. Bonjour Monsieur Gagnon. Bonjour Monsieur Drouin. Et bienvenue à notre émission. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc euh, oui ça me fait plaisir de vous, de vous accueillir ici. Euh, alors on va voir un peu ce que ça veut dire au cours de l'entrevue, ce, ce, ce concept de voir le monde et le recevoir, c'est des, des choses, c'est des, des choses qui vous ont motivé beaucoup dans votre vie. Mais j'aimerais commencer par le commencement. Parlez un peu de, de vous. On me dit que vous êtes euh, le dernier né d'une longue lignée d'agriculteurs. Donc, euh, vos, vos parents, j'imagine, votre père était un agriculteur. Alors, parlez-moi un petit peu de, de vos parents, puis de votre vie de famille. Euh, oui, chez moi, euh, bien, on est une famille euh, d'agriculteurs. Euh, 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 nous avons été quatre générations à date qui, qui, a, eu, qui a eu des fermes. Mon arrière-grand-père, mon grand-père mon père puis moi j'ai pris la relève en, en 69 en 1969 lorsque j'ai acheté sa propriété. Euh, lorsqu'il a décidé de, de, de la mettre en vente. Ou, euh, et, parce et ça, que... c'était dans la région de Fortierville, ça, à l'époque? Dans, dans la... À fortierville, fortierville c'est ça. Donc, votre et père puis, était, était agriculteur est, à, à est Fortierville? Agriculteur. À okay. euh, était agriculteur. C'est sûr qu'à l'époque, ce n'était pas les belles fermes, les grosses fermes d'aujourd'hui. C'était les fermes de l'époque, des années 60, des années 50. Qu'est-ce qu'il y avait euh, un peu sur le type de production euh, que faisait votre père? Euh, ah, nous, chez nous, c'est incroyable comment c'est que à diversifier diversifié. Euh, Premièrement, on avait une ferme laitière, là, une douzaine de vaches. Euh, on avait une porcherie aussi, avec ça. Et puis, euh, mes parents aussi, euh, à cette époque-là, ils faisaient le commerce, si on peut dire, où le, ils gagnaient leur vie en. Et on faisait beaucoup de poulets de grain. Puis okay. l'automne, ben c'est quand on a le temps des, ben c'est-à-dire l'automne, parce que euh, au temps où ils achetaient là, c est, c est, ça allait presque à, au mois de euh, fin d'octobre, novembre qu'on faisait l'abattage, puis on faisait oui. l'abattage chez nous. Ah, vous faisiez aussi l'abattage, oui, l'élevage oui. et l'abattage. L'élevage okay. et l'abattage. Ok. Et beaucoup de, puis on avait des poules pondeuses. Mm -hmm. euh, non, la ferme était vraiment diversifiée, mais j à cette époque-là, nous on était jeunes. J'imagine que c'était quand même intéressant parce que on manquait de rien chez nous. Oui. On manquait oui, de rien. Oui. Donc, papa, maman, vous étiez combien de frères et sœurs ouais, nous? on était quatre frères et une sœur. On était Donc, 5, cinq enfants 5 chez nous. Cinq enfants. Et vous étiez le, le, Mais, euh, Moi, je suis le deuxième, le deuxième famille, de la okay. famille. De la famille, oui. oui okay. Et Donc, vous aviez les, les enfants ont plus, tous plus ou moins contribué, j'imagine au travail à la ferme. À un moment les donné. enfants ont plus ou moins contribué. Euh, Peut-être ma sœur un peu moins parce qu'elle est plus jeune, là. mais les, euh, les quatre là ont travaillé au foin, euh, les semences un peu. Euh, je dirais bien, un peu à la ferme aussi, là. Euh, mais on a, a toutes contribué. On a, on a, on a vécu, puis on est heureux, je pense qu'aujourd'hui de se retrouver les, les enfants ensemble, là, même si les, nos parents sont décédés. Euh, de se retrouver puis se raconter des belles histoires puis encore moi je, 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 euh, je reste encore près de la rivière bien, je suis le vieux bien parce que ouais. c'est moi qui ai racheté la, la, la propriété et puis euh, encore euh, au cours de l'été euh, je voyais mes frères ma soeur, ils ont été se promener du long de la rivière partout ce qu'on les, les souvenirs, qu'on qu faisait des pique-niques avec la parenté, parce que nous, la parenté elle, était vraiment grande. C'était important aussi, j'imagine, de rester proche des parents. Donc, ce oui. sont les oncles et les tantes, j'imagine, surtout. C'est ah, venu nous visiter. Nous, mm -hmm. on a des souvenirs incroyables de, des, 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 des mononcles des États qu'on appelait à cette époque-là. Oui, oui. Il arrivait avec le famille, ça, ils venaient ça. Parlait encore français, ça? ça parlait oui. tout français, ah, oui, oui. Okay. Et puis, euh, les, les enfants avaient de la difficulté, ils étaient plus jeunes, de, de parler en français, mais il reste que on, on, ben, quand on est enfant, on se comprend et on joue ensemble. Hein. Mm -hmm. Mais ça, c'était une, une tradition, ça, à chaque année, les, les frères et sœurs euh, des États, là, ils prenaient, puis ceux qui habitaient dans Bitibi, euh, de prendre 15 jours de vacances, puis ils venaient passer ça à Fortierville. Les puis aller voir le frère, le soeur, puis ah. beaucoup d'amis qui venaient les voir là. Alors, Et, on peut parler qu'il y avait des belles valeurs familiales là-dedans. Vous, votre enfance, ça s'est bien, ça s'est bien passé, c'était en harmonie. C'est incroyable le, le, le plaisir qu'on a eu. ce, ce qu'on, qu Comment je dirais bien ça, donc ce qu'on ressent aujourd'hui, là, la, 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 la belle esprit de famille. Nous, on a été heureux chez nous. Mm -hmm. euh, parce qu'on avait une famille, premièrement, mon père ma mère. C'était des gens humbles, puis c'était des gens qui étaient qui était à qui plaisir, là. Qui aimait recevoir, puis euh, qui aimait, qui, qui aimait donner, là. Ouais, redonner ouais. aux autres, là. Puis. Et donc, vous, euh, vous étiez donc quand vous alliez à l'école, j'imagine que durant les vacances d'été, euh, jeune, adolescent, vous deviez contribuer à, au travail de la ferme durant l'été. Oui, euh... oui, à l'école, oui. Alors, à cette époque-là. Euh, moi, des fois, là, on, on parle, on, on fait des, des, des folies sur la. Nous autres, à 10, 12 ans, là, on savait être un cheval, là, un ah cheval ouais. de train. Ce n'était <laughs> pas un petit cheval, mettre une bride puis embarquer sur une selle, là, nous autres, là, là, mm -hmm. en campagne. C'était des chevaux de, de, de travail. Puis. Euh... Donc, c'était déjà presque du travail d'homme que vous faisiez à 12 ans, parce oui, que oui, atteler, oui, atteler, oui, atteler oui, ces oui, chevaux-là. Oui, oui. euh, parce que ça, elle, moi, je me souviens, on n'était pas grand. Mettre une bride dans, dans, le, dans, dans, dans la tête d'un cheval, ouais, 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 <laughs> ouais, ouais. on montait dans la crèche. Puis, on... Alors, Nous, on attelait les chevaux, là, euh, comme euh, nos parents. Là. Donc, euh, j'imagine, par exemple, les, les, le temps des fêtes, ça devait être une période assez, assez chaleureuse aussi pour, le, pour ah, la visite. Le vie temps de famille. des fêtes, ça, ça aussi, ça, c'est. Pour avoir une, une petite maison, des fois, il y avait 40-50 personnes parce que la famille. ben chez nous, faut dire aussi que la, la, la grand-mère, du côté de mon père, elle a vécu chez nous là, euh, toute sa vie. Là, parce okay. qu'à cette époque-là, euh, tu vendais ou tu donnais la terre pas cher, puis euh, à condition de garder tes parents. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, le grand-père, lui, est décédé euh, plus jeune. Là. Euh, moi, je l'ai pas connu, euh, non, je ne l'ai pas connu. La grand-mère, elle, elle a vécu longtemps, puis elle est à la maison, ça fait que les frères et sœurs, ils se rassemblaient, c'est chez nous qui. Euh... Donc, euh, le fait, le fait d'avoir de, 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 la terre en contrepartie, c'est que les jeunes garantissaient qu'ils s'occupaient de leurs parents. Oui, oui. C'est ça, ça qui faisait que ça se transmettait de, de génération euh, en génération. Ah, Justement, c'est ça. Et donc, euh, alors, en vos frères et soeurs, vous aviez une vous aviez une, une bonne, de bonnes relation avec vo votre soeur et vos frères aussi. ça oui, ça ah passe oui. bien. Ah oui, nous, euh, euh, je connais pas de, de, de moment où on ce qu'on s'est boudé, si on mm -hmm. peut dire, si on peut appeler ça de même. Euh, non, parce qu'on a eu vraiment du plaisir. Puis c'est sûr qu'il faut dire qu'on on a commencé jeune à travailler, puis euh, je pense que, ben, pas que je pense, je suis certain. On a toujours aimé. Travailler, moi, ça n'a pas été. Euh, puis mes frères, ma sœur, c'est la même chose. Ça n'a pas été difficile de partir le matin pour aller travailler. Là. Comment ça se fait que c'était comme ça? Est-ce que ça, ça vient de vos parents qui vous inculquaient ça ou le, le fait d'avoir du plaisir à travailler, de, 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 de voir ça comme quelque chose de positif? Euh, parce que c'est pas tout le monde qui a, qui a cette attitude-là. Hein? <laughs> euh, non, c'est pas tout le monde. Non, c'est ça aujourd'hui. Des, des fois, je passe ça? la remarque ça. Oui. Parce que je me dis, non, chez nous, oui, oui, chez nous, ils ont aimé de mon travailler. Père. Ouais. Euh, les les manon qui venaient nous, nous voir, ils étaient fiers de raconter qu'est-ce qu'ils faisaient, euh, qu'ils qu étaient bûcherons, qu'ils travaillaient dans le beau, qui travaillaient pour des usines. Euh, J'attendais toujours des, des, des beaux commentaires. Ça fait que nous, ça nous a motivés. Et puis, c'est sûr que dans, dans les années 60, euh, tu veux gagner ton argent un petit peu, là, parce que les parents ne peuvent pas nous, euh, nous fournir de l'argent comme aujourd'hui. Ben. Comment non, Il faut dit, il fallait là, que tu deviennes autonome le plus rapidement le plus possible. Oui, 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 c'est voilà. ça. Oui, J'imagine oui. que vous aviez une assez grande maison si vous hébergiez votre. Euh, ah non, euh... la maison n'était pas si grande. C'était les maisons canadiennes, ouais. québécoises d'autrefois. OK. Petite... Ah non, non, c'était pas une grande, grande maison. Là. La, la vie une maison peu serrée. Oui, oui, c'est ça. ça. <coughs> ah oui, la grand-mère, elle avait sa chambre, puis elle avait ses, 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 sa place, puis sa place dans la cuisine, à la table, puis elle faisait partie de la famille. Alors, on parle toujours du temps où vous étiez jeune. Euh, les gens le savent probablement beaucoup, c'est que euh, fort c'était le lieu où, où a vécu Aurore Gagnon, qu'on qu appelait Aurore euh, l'enfant martyr. Et je voulais savoir, vous, dans votre jeunesse, euh, à quel moment vous avez entendu parler de ce drame-là et qu'est-ce que, comment vous avez, vous avez réagi à ça? Expliquez-nous un petit peu qu ce qui s'est passé. Ça, c'est drôle à dire. Euh, c'est drôle à dire. c'est... Ça se parle pas à Fortierville. Parce que moi, dans ma famille, euh, ça ne parla se parlait pas. Parce que moi, j'ai découvert, hein, j'appellerais quasiment ça un sec secret de famille-là. C'était quasiment euh, un secret, même. Euh, euh, oui, ou je dirais 2060. que c'était quasiment un secret dans la famille. Tout parce que beau. nous, c'est de la famille des gagnons. Puis, euh, c'est quand, lorsque j'ai été à l'école d'agriculture à Sainte-Croix-de-Dodbinière, euh, que j'ai euh, découvert, parce qu'à un moment donné, euh, le soir, bon, il y avait la bibliothèque, on faisait nos devoirs, puis il y avait toujours euh, Il y avait le surveillant aussi. Nous, euh, c'était les pères Maris à ce moment-là qui les, 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 qui s'occupaient de l'éducation, de l'école d'agriculture. Puis je fouille dans la bibliothèque puis je regarde Fortierville. À un moment donné, je vois un livre sur Fortierville. Ça fait que je rouvre. Le, euh, je prends le livre, puis je commence à regarder ça. Puis là, le père, il passe il dit Ah, il dit, Tu t'intéresses? Il, il dit À l'histoire d'Aurore, l'enfant-martyr mais ben là, j'ai dit, euh, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Et il dit, vous connaissez pas l'histoire d'Aurore Gagnon, euh, l'enfant martyr à Fortierville? Il était surpris de ça. Que... Il était très ouais. surpris. Vous Et vous moi vous aussi, j'ai surpris. Votre famille, c'est Gagnon, est-ce qu'il y avait un lien de parenté avec Oui, oui, Ou c'est avez... dans, dans l'unier des okay. Gagnons. Ouais. OK, OK. J'ai été surpris. fait que là, la... bon. J'ai lu en gros le livre, là, parce que c'était un, un document. Mm -hmm. bien, le premier la première histoire qui est sorti, le livre n'était pas si gros que ça. Et puis, c'est bien sûr, quand je suis venu me promener, là parce que dans ce temps-là, on partait là, au mois de septembre, puis euh, je pense qu'on avait ressorti à Toussaint, là, si je me souviens, parce qu'il y avait trois jours de congé, puis après ça, ça allait aux fêtes. Oui, ça, c'était pensionnaire. C'était pensionnaire, ça. Là. Ouais. Et puis, euh, Donc, le, le, là, le... j'ai questionné. Ouais, ouais, donc le, votre, votre euh, supérieur, il était, il était comme surpris que vous ne soyez pas au courant de ça. Oui, oui. Mais ça ça oui. vous a permis un peu d'apprendre un peu l'histoire. Euh, ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre ça Est-ce que vous en avez parlé à vos parents Est-ce que vous avez questionné les gens après ça oui. c'est ça. Là, moi, quand je suis revenu, quand je suis venu me promener, c'était peut-être lors de la période des fêtes ou peut-être les trois jours qu'il y avait là, à La Toussaint qu'on appelait à l'époque. Que j'ai questionné là-dessus, sur cette, euh, cette histoire-là, qu'est-ce que c'est, ça? Fait que c'est là qu'ils ont commencé à m'en parler, puis euh, okay. à s'intéresser. Puis après ça, bien, il a sorti de la documentation un mmh, peu plus, mmh, puis mmh. euh, c'est devenu plus populaire. Mais les gens à Fortierville euh, n'en parlaient pas. Ben, donc c'était vraiment tabou. Oui, oui, oui. Donc euh, après, euh, alors à un moment donné, je vois dans votre CV que vous êtes devenu marin. Euh, je... Il y a quand même <laughs> tout, un, tout, un, ouais. tout un pas. Quelqu'un qui vit sur, une, sur la terre de ses parents qui, qui s'en va, va comme ouais. marin. Expliquez-nous comment s'est ouais. passée cette transition-là. Cette transition-là, transition bien à l'époque, euh, les fermes... Euh, ben, mon père n'était pas intéressé à vendre. Et puis, euh, nous autres chez nous, euh, euh, mes parents disaient toujours euh, Les petits gars, si vous ne voulez pas vous faire instruire, vous allez aller travailler. On ne vous gardera pas à rien faire. Puis ça, c'est un. Moi, je pense que c'est en cours d'actualité, euh, ce, ce commentaire-là, de nous motiver. Mais de toute façon, euh, euh, j'avais de la parenté qui travaillait sur les bateaux. Et okay. là, quand tu sors de l'école, puis que tu as. Ton diplôme, c'est sûr que au secondaire. Oui. Mais à cette époque-là, bien secondaire, je dis au secondaire, parce que moi, là, j'ai fait un huitième année, là, bien fait. C'était avant, mettons, avant l'opération la, 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 de, de renouvellement des écoles, si on, on a appelé, là ce que c'était oui, à cette époque-là? Oui, époque -là oui. Ou... bien, c'était à cette époque-là, parce que moi, quand ils ont bâti l'école centrale à Fortierville, ça, si je me souviens, euh, c'est aux environs cent des années 60. Oui. 60-61, si je me souviens. Donc, euh, j'ai fini ma septième année là-bas, puis après ça, j'ai été au collège là, okay. euh, deux, deux ans, bien, à l'école d'agriculture, en fait, pensionnaire. Okay. Et puis, euh, on a continué notre formation là-bas. Mais il reste que quand tu sors des études, bien là, euh, tu trouves un emploi. Ouais. Puis, comme j'avais de la parenté qui travaillait sur les bateaux, et puis ça m'intéressait à moi de toute façon, il euh, faut travailler en quelque part, puis à cette époque-là, la question de distance là, euh, pas, pas, euh, pas quelque chose de, de qui était une barrière. Ouais, fait ouais. que, bon. Euh, Mais de toute façon, de, vous, de, de vous... fil en aiguille, oui, euh, oui. Le, 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 la parenté de mon nom qu'on avait qui nous a fait rentrer dans, dans l'union des marins. Puis, okay. euh, je vais Donc vous vous les... êtes retrouvé sur un bateau. Alors qu'est-ce qu que vous faisiez C'était quoi le J'ai J'étais matelot là-bas oui. sur, un, sur, un, sur, un, sur un, des bateaux. J'étais homme de roue aussi. C'est-à-dire que ça veut dire, c'est de roue. Homme de roue, roue c'est nous, quand le, le, soit l'officier le, le, de corps, le capitaine ou le pilote dans, du, du Saint-Laurent. Euh, nous donne l'indication les, les, les degrés pour, pour orienter le bateau pour le, le, le faire circuler dans, dans la voie maritime ou dans le, dans le fleuve mm -hmm. euh, c'est nous là, qui, qui on a le compas en avant de nous la, la roue okay. et puis euh, c'est ça c'est euh... mais vous travaillez mais, mais dans, sur dans ce temps-là sur le fleuve Saint-Laurent surtout ou... fleuve Saint-Laurent les grands lacs les grands lacs ouais, donc, oui, vous êtes ouais. pas ouais. sorti moi pas beaucoup. fait du long cours non, non? pas fait okay. euh, du euh... c'est une expérience quand même qui vous a permis de voir du pays, quand même. Un oui, petit oui, gars de Fort-Séville que... qui se ramasse sur un bateau puis qui... Visite tout... Puis à voilà. cette époque-là, ben euh, on part 4-5 mois, 5-6 hein, ouais, mois, 4-5 ouais, ouais, ouais. mois. Euh, des fois, on, quand on venait à Montréal ou Sorel, on débarquait. Puis, euh, mm. Mais mm. en général, c'est sur les grands lacs. Puis, euh, ça doit vous apporter quelque chose à votre, à votre, à votre bagage personnel, uh -huh. le fait d'avoir passé ces années-là sur, ben, un, sur o... un bateau, je Oui, parce qu'au départ, c'est une famille. Là. Quand tu es pris là, 20, on était environ 20... 20, 20, 20, 20, 20 23 personnes ouais, sur le bateau. Ouais, ouais. Ça devient une famille. Il hein? ah, faut, faut vivre ensemble. Puis, il faut vivre ensemble. Puis, c'est là que j'ai découvert que qu c'était intéressant de, de, de connaître les, 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 les autres personnes, là, que ce soit des, des. Parce que moi, j'ai travaillé avec des Noirs qui étaient dans les, 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 les la, la, la restauration là, oui, dans la, oui, oui. Euh, qui étaient, qui étaient là. des Des personnes formidables. Hein? Ouais. Ensuite, euh, il y avait des... Les, les, bon, C'est sûr que les, les, les anglophones aussi, parce que mm. sur les bateaux, euh, tu as du monde partout chez les Grands Lacs. Tu, sais, tu, tu, travailles des euh, tu travailles avec des anglophones, tu travailles avec d'autres... Euh, parce que si je me souviens, nous, on avait euh, -tu un chinois qu'on avait... En, tu, tu sais, Mais vous avez appris à, à, à côtoyer, à côtoyer. Les, la, la différence, les gens différents, c et ça. à vous acclimater, à, à les connaître et à les respecter en même temps aussi. C'est ça, En plein ça, parce mm. que... Et puis, je me souviens, moi, quand on allait d'un port américain dans, dans, dans les années dans 65 lac, sur ouais. les Grands Lacs, ouais. c'est que euh, nous, ici, au Québec, là. Euh, on parle de racisme, mais on connaît ça pas ça. Nous, on connaît ça pas ça pour dire. Parce qu'on débarquait à ces bateaux, on débarquait d'un port de mer, puis d'un port. Euh, et puis, la, la plupart des, des, des débardeurs ouais. aux États-Unis, ouais. c'était ouais. des Noirs. Oui, puis ça payait mais... probablement pas, pas comme aujourd'hui, j'imagine, à l'époque. Non, pas... ça payait à moi. Ouais. Mais ouais. il y avait une belle relation. Ouais. Les gens Tu sais, il semble qu'on pouvait. On osait, puis on sentait pas là qu'eux là ils nous regardaient avec des gros yeux mm -hmm. puis en disant toi t'es un blanc puis euh, tu sais ouais. Non, on va en revenir un petit peu ah, okay. plus tard parce que c'est ouais. quelque chose que je trouve important dans votre, dans votre parcours, c'est que vous ayez appris à côtoyer des gens différents, très jeunes, et puis ça, va, ça a créé quelque chose dont on en reparlera un petit peu plus tard. Mais je vois aussi que vous avez travaillé donc au tunnel La Fontaine, l'Hippolyte La Fontaine. Ça, ouais. c'est un petit peu plus tard? Ça, c'est un petit peu plus tard. Ça, lorsque j'ai quitté la, les, les bateaux sur la voie maritime puis les, les grands lacs, Bien, vais quitter. C'est que j'ai je, je, été euh, parce qu'à cette époque-là, c'était toujours l'Union des marins, le bureau qui engageait. Puis les compagnies maritimes euh, euh, faisaient affaire avec le, le bureau des, okay. des marins. C'était de de un syndicat, syndicat. Okay. ça, c'est ça. Okay. Parce qu'à cette époque-là, tu ne pouvais pas arriver et aller voir une compagnie. Mm -hmm. C'est qu que Foulak-Touhou, tu passes par là. Sûr, fait qu'à un moment donné, bon, il y a la, la marine industrie, à cette époque-là, avait besoin de beaucoup de monde pour, euh, justement, le dragage dans le fleuve. Euh, le dragage, puis eh, ben, il y avait le pont-tunnel pont qu'on appelle aujourd'hui paul la fontaine ouais. Puis euh, à un moment donné, bon, on, dit, on a besoin de soudeurs, on a besoin d'opérateurs des treuils, là, en place des opérateurs de winch, mm -hmm. puis, en tout mm -hmm. cas. Euh, à cette époque-là, c'était. Puis, c'est. Euh, même des des. des euh, euh, j'étais aussi driller aussi sur euh, parce que Marine avait une... Marine Industrie avait un drill, parce que euh, le Pont-Tunnel, ça, c'est un gros. C'est un gros canal qui a été fait ça, ouais, dans, dans, ouais, dans le ouais, Lit ouais, du Fleuve. Ouais. Fait qu'on a commencé sur la drill. Euh, moi, j'étais driller à ce moment-là. Euh, sur le. Euh, sur... Puis on, on Et donc, vous avez. Il a Nous, de... on creusait, puis on faisait dynam... on dynamitait pour euh, avoir okay. du matériel. Okay. Et puis euh, quand le, le drillage a été fini, ensuite moi je suis... Euh, et mon, la, la compagnie, là, quand tu es là à ce moment-là, là, ils, ils peuvent te, 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 te faire travailler où ils veulent. Là. Je pas prêt, hein? Fait que quand on a eu fini le, le, tout le, le dynamitaire pour préparer le, le matériel pour. Là, c'est une drague, c'est une drague succion qu'on avait là. Puis là, on, euh, ils m'ont transféré là comme, euh, comme soudeur ou puis comme opérateur de d'un de, 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 de peu de, de choses, des winch. Euh, il a fallu que vous obteniez des cartes de compétences, j'imagine, à ce moment-là, ou c'était pas une ouais, ben Moi, entre-temps, c'est là que j'ai été passé. Puis l'hiver, ben, on ne travaillait pas. Euh, c'est là que j'ai été suivre mes cours de formation en soudure okay. à haute pression. pour mmh. euh, euh, Parce que, bon, le, soudeur, le, le les soudeurs qui, qui étaient là, parce que souvent. Euh, et ça brise souvent. Fait, fait, on, pouvait, on pouvait à ce moment-là pratiquer. Puis ça, c'est un domaine que j'aimais bien ça, que bien, ça, mm -hmm, la, la, la mm -hmm, soudure. J'ai été passé mes formations. Puis après ça, je suis devenu soudeur pour euh, marine industrie. J'étais là, mais j'étais quand même huit ans pour euh, marine industrie. Et Donc, puis... c'est devenu votre, votre, votre nouveau métier, hein, en quelque sorte? Oui, là, oui, oui euh... en quelque sorte, c'est ça. Puis vous avez même, je pense, puis... un peu lancé une entreprise avec quelqu'un. Vous avez été cofondateur d'une entreprise dans ce domaine-là? Euh, ben c'était dans le domaine un peu du, du camionnage ouais. que j'ai été. Euh, OK, c'est ça. Et puis, euh, ça. Euh... Et finalement, après. Donc, vous êtes resté comme. Euh... Le tunnel de la Fontaine de, de te rester pendant combien de temps? On était, on a fait... Euh, on est de 60 1965, moi quand, quand j'ai commencé euh, à l'automne 1965 jusqu'à... Non, en 1966 jusqu'à à l'automne 67, oui. parce qu'on euh, aimait ça travailler de nuit, euh, parce que le matin, on allait à l'expo. Ah, c'était en 67. C'était en okay. 67. OK. Donc, puis, un euh, jeune homme de 20 ans, à peu près, début de 20 ans. l'Expo. Vous avez visité l'expo? Ah, ouais, oui. Ben, c'est ça. On était un petit groupe, on avait nos pas. Nos, nos... Ça, c'est dommage ça, que je n'aille pas garder cette, ce passeport-là, ah, ah, en ah, souvenir. Ah, en tout cas. Oui. Et, Et puis, euh, c'est ça. Ça fait que le matin, on allait là. À 4 heures, on retournait se coucher pour commencer à minuit. -à que quand on travaillait de nuit, là. C'est là qu'on en profita pour aller visiter l'Expo. Mais puis, visiter, puis en même temps, bien, c'est ça, on pouvait, on pouvait voir l'avancement des travaux qui, qui se mm -hmm. faisaient pour. Euh, ça a été un très beau chantier, ça. Oui, et puis oui, et après oui, ça, bien, oui. c'est ça, c'est que la, la, la compagnie a installé les, 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 le, 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 le tunnel qu'on connaît aujourd'hui. Mais après ça, il a fallu faire le remplissage. Fait que, euh, on avait des chalands, on avait des, 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 petits, des, des petits remorqueurs. Puis on a la dompée du, euh, du, du gros matériel, de ouais. la roche, de la pierre, de, de, la, de la terre, puis pour remplir. Pour... Parce que ça, est, il est complètement enfermé. Mm -hmm. Les bateaux ne peuvent pas l'accrocher. Il n'y a pas personne qui peut accrocher ça. Il y, y a du matériel par-dessus. Alors là, aujourd'hui, ça aurait pas le goût d'y retourner. Ils sont en train de le refaire. <laughs> Non. Je m'ennuie de ça, des <laughs> ouais. fois, là, de, 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 bon... de, de, des, des gros chantiers là, ouais, comme ça. Ouais, là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais malgré le fait que c'est une vie intéressante, finalement, vous êtes re, revenu à Fortierville quelques années plus tard. Euh, quelques années. Ben ce qui est arrivé, c'est que Marine, Marine Industrie, euh, au niveau du dragage dans le fleuve, on, on avait pas mal fait le tour. Là. Et puis, euh, à un moment donné, la, la, la division du dragage, ils ont fermé leurs portes. Puis moi, j'ai eu l'opportunité d'acheter une ferme, une ferme laitière. À Fortierville? Et puis à Fortierville, bien là, ça faisait deux fois aussi deux ans qu'on était mariés. Et puis, euh, j'étais à peu près toujours parti. C'est pour, pour, pour la famille. C'est pour ouais, la famille. Bien, c'est ça. Ouais. Puis là, bon, on voulait avoir des enfants. Mm -hmm. Puis, euh, mm -hmm. fait que j'ai eu cette opportunité-là. J'achète la ferme laitière, puis euh, on l'a gardée huit ans, sept ans. Sept, ouais, on a gardé sept ans. Sept. Et puis... Euh, donc, vous avez puis, utilisé ce que vous, ce que vous connaissiez de votre jeunesse, votre expérience avec votre famille, avec votre propre père. Vous a, ça vous a servi, j'imagine. Ça m'a servi. puis ouais. mes cours à l'école d'agriculture aussi, Absolument. à l'époque, ça m'a servi aussi. C'est une ferme laitière, vous C'est une ferme dit, laitière, donc, oui. oui. Et, euh, vous êtes intéressé à l'UPA à ce moment-là? C'est à ce moment-là que... Oui, oui je, je me suis intéressé, je me suis impliqué beaucoup à l'UPA. Ce qui arrive, c'est que euh, c est, c est, ça fait drôle un peu de, des fois de dire ça. Moi, j'étais un peu, un peu gêné à cette époque-là. Timide. Oui. Ben voyons, c'est n'ai pas oui. l'impression que ça donne aujourd'hui. <laughs> puis, je me disais, ça n'a pas de bon sens que je, que je, que je reste toute ma vie mal à l'aise devant le monde ouais, faire des ouais, de, ouais. donner mon opinion là euh, ou dans une salle euh, se lever puis de poser une question puis ça me rendait mal à l'aise mm -hmm. ben, ben, qu'est-ce que tu fais pour combattre ça ben justement parce que puis tout le monde me faisait confiance ouais. c'est ça que des fois j'essayais de comprendre comment ça se fait qu'ils me font confiance puis que moi là c'est comme si je manquais de Confiance un peu en disant en me disant, bien, c'est pas important, moi, là. là euh, mais au fil du temps, puis à m'impliquer au niveau de l'UPA, à m'impliquer aussi au niveau municipal, euh, ça m'a donné de l'assurance. Ça m'a ça, ça permis, là, de. de, de un peu de, de. de penser que je pouvais être capable de. de, de, de de faire quelque chose pour la société, pour moi-même, parce que c'est pour moi-même que j'ai fait ça, là. Mm -hmm. Et, mais pour la société aussi. Là. Mais c'est aussi la période qui suivait la, ce qu'on appelait la Révolution tranquille, les années 70. Et donc, j'imagine qu'il y avait beaucoup de, de brossage bras, de d'idées à ce moment-là. On voulait changer les... En, en agriculture, il y, avait, il, y avait, il y avait toutes sortes d'idées nouvelles qui circulaient. J'imagine que vous, vous preniez part à ces, ces, oui, ces oui. conversations-là. Oui. Bon. oui, la Révolution tranquille a apporté euh, euh, une autre façon. Parce que moi, je me suis impliqué je me suis intéressé à la politique. Chez nous... Euh, du côté de ma mère, il s'intéressait à la politique, plus que du côté de mon père. Euh, puis, j'écoutais, parce que j'écoutais des fois les conversations des adultes à cette époque-là. Et puis, euh, à l'école d'agriculture, euh, la politique, les, 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 les pères Maris, ils étaient intéressés à la politique, parce que moi, je me souviens, euh, là-bas, je vais me le raconter, peut-être que ce n'est pas important. Là. Euh, euh, eux, ils s'intéressaient surtout à réel Cowet, le, le crédit oui, social. Oui, 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 on se souvient de. de... Et puis, oui. ce que je vais vous arrêter tout oui. de suite parce que je sens que ça va être intéressant, puis malheureusement, on va être obligé de, de couper. On, on, ah. on est rendu à la fin de notre émission. Alors, okay, okay. je vais vous remercier d'être d'avoir été là aujourd'hui et je vous invite à revenir nous raconter la suite de votre histoire <laughs> à la prochaine. Ah. Ah, bien, et donc, merci. Euh, merci à nos téléspectateurs et on se revoit bientôt. Au revoir.